Alors tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Ce sera une courte théorie. Dans la dernière vidéo, on a vu la théorie que Ash serait un maître Pokémon dans la région d'Alola. J'ai fini la théorie en posant une question. Vu que Ash sera maître, que se passera-t-il? Alors, je vais vous répondre. Est-ce la fin de Pokémon? On sait bien que Ash a pour but, donc que c'est un rêve, qui est de devenir maître Pokémon. Et cela depuis la première saison. Comme nous le savons tous, Ash n'a jamais gagné la Ligue de Pokémon. Quand dit que dans la région d'Alola, il sera le premier maître Pokémon. Si vous êtes sceptique pour que Ash soit le premier maître Pokémon d'Alola, écoutez la vidéo précédente qui vous fera peut-être changer d'avis. Que se passera-t-il ensuite? Il y aura une fête en son honneur, qui va signifier à la fois qu'il a terminé le tour des îles, ainsi fêter le premier maître Pokémon de la région d'Alola. Bien sûr, la mère de Ash sera de la fête, en compagnie du cher professeur Oak. Peut-être même que toutes les personnes qu'il a connues au cours des 20 saisons, probablement aussi sera de la fête. Ce qui veut dire Missy, Brooke, Mei, Max, Dawn, Iris, Serena, Bonnie, Clement, et j'en oublie. En gros, tout le monde va assister à la fête. Qui sait? Juste avant de continuer, tout ce que je dis est une hypothèse, dont je suis le créateur. Vu que je n'ai pas encore vu ou entendu de théorie sur ce sujet. Ensuite, après la fête, il y aura deux possibilités d'événements. Vu que Ash sera maître, il devra défendre son titre pour y rester. Alors, la série Pokémon prendra fin. Vu qu'il n'y aura plus dans d'autres régions pour devenir à nouveau maître, vu qu'il sera déjà maître. Ce serait vraiment dommage. Juste à date, il n'y a rien d'officiel, vu que nous ne sommes pas encore rendus là dans la série. On ne sait jamais par contre. La compagnie Pokémon pourrait bien nous surprendre et faire en sorte qu'il y ait d'autres jeux, ainsi que d'autres saisons Pokémon. Je pense à ça. Un champion d'arène quitte pour faire autre chose durant un certain temps. Comme plusieurs arènes vont, exemple, sort à quelque part, pendant ce temps-là, l'arène est fermée. Ça a déjà arrivé dans les séries Pokémon. Ash ira dans une autre région, alors où je veux en venir. Ash ira dans une autre région pour devenir maître Pokémon. Et retourner de temps en temps pour défendre son titre de maître Pokémon dans la région d'Alola. Et reprendre son aventure. Du fait, la série et les jeux continueraient. En gros, après que Ash soit maître, Pokémon sera fini. Sauf s'il se passe quelque chose qui ferait en sorte que tout continuerait. J'espère que vous avez aimé cette théorie et cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur cette théorie, le partager aussi pour faire connaître ces théories. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google Plus, Twitter, car tout le monde est le bienvenu. Alors je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Alors je vous dis merci à tous.